Bienvenue à Samoin. Vincent Ferniaud, son équipe, ses invités vous font dévaler les pistes à la découverte des monts et merveilles de la Haute-Savoie ce matin. Ah là 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 là, des monts et merveilles, c'est vrai qu'on est au milieu des merveilles de cette nature, de ce cirque incroyable, le cirque du fer à cheval, qui est au bout de la vallée de Samoin, qui nous accueille avec son grand sourire, son grand soleil. N'en déplaise à certains, parce qu'on a un camarade spécialiste de la météo ici qui a dit vous allez prendre 3 jours de neige. On en parlera tout à l'heure, Laurent Guillaume, hein, de tes prévisions météo sur Samoin et le Chablais. Bon, allez, on le charrie un petit peu ici. Il faut dire qu'on est tellement gâtés. Il fait quasiment 15 degrés, là. Et on est pourtant en matinée. Et tout à l'heure, ça va peut-être monter jusqu'à 16, 17. C'est pas bon pour la neige, mais pour nous et nos vieux os, ça fait du bien. Votre équipe autour de cette table, avec Jean-Sébastien Petit-Demange, notre spécialiste du patrimoine et du tourisme. Bonjour. Comment ça va, Jean-Seb? Ça va très très bien. Avec ce temps, vous imaginez qu'on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Nous sommes en Haute-Savoie. Oui. Nous sommes dans le Chablais, tu l'as dit. Et comme partout à Samoin, il y a un blason, une sorte de carte de visite symbolique qui raconte l'identité de la commune. Dans le cas précis de Samoin, le blason explique même le gentilé de cette ville. Les Septimontains. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez sous le sapin, il y a 7 petits monts. Ces 7 monts, on les trouve donc sur ce blason. Et il rappelle que ces montagnes ont été concédées au XIVe siècle par les comtes de Savoie aux habitants du village. Et l'été, il y a encore plus de vaches et de moutons que d'habitants qui brottent à l'orée de la forêt d'épais résineux que l'on trouve au-dessus des montagnes. Il est sur le blason. Il paraît, mon Jean-Seb, qu'on ne dit pas des collines, on dit des molars. Si tu veux. Ah, non, il paraît. Mais en l'occurrence, des septimolars, c'est pas très beau. Septimolars, non. Les septimontains, c'est plus sympa. C'est mieux, voilà. Merci, Jean-Seb, de cette précision. L'équipe au grand complet, en pleine forme, en plein soleil, avec Églantine Émillet et ses animaux magiques de la région. Bonjour. Ah, des animaux. Tout à l'heure, tu vas être ravi. Je vais vous présenter une des plus belles races de moutons qui soit. J'adore typiquement ça. Savoyard. Je te le dis ? Ouais, comment il s'appelle ? Le tonnet marteau. Il est beau. C'est comme le requin marteau, il a les yeux au bout du... Il a un peu il a un peu le masque des raptous, tu vois. Oui, je vois tout à fait. On verra ce bel animal tout à l'heure. Et pour l'instant, nous saluons la présence de Sophie Delma. Ah, ça te fait marrer, mais... Parce qu'on nous a dit qu'en Savoie... J'étais sûre qu'il allait le faire. Bah, ton vrai nom, c'est Delmas, mais oui. Ici, on dit Delma. Et pourquoi on dirait Delma, ici? Bah, parce qu'on dit Avoria, on dit Samoin... Et on dit Chamonix. Et on dit Savoyard. Voilà, la dernière consonne n'est pas prononcée. Bon, enfin, à bref. Paris non plus, je te signale. Oui, oui, oui. Bon, alors, en attendant, moi, je suis hyper contente de vous retrouver, les copains. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Ça fait un peu longtemps. Et quand je vois le panoramique exceptionnel dans lequel nous sommes aujourd'hui, je me dis qu'on a un super métier. Bonheur, pour le coup, ce sera un spécial Haute-Savoie avec des petites devinettes comme on les aime. Merci Sophie. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à les tenir, l'équipe. Dès l'émission terminée, ça part sur les pistes derrière. On ne les tient plus. Avec nous, le spécialiste de la montagne, faut-il dire, c'est Laurent Guillaume, notre camarade de France 3. Et alors, la prochaine fois que tu me demandes un bulletin météo, je te dirai qu'il fait beau pendant 15 jours. Comme ça, au moins, tu seras content. Tu me diras, fais-le toi-même si tu n'es pas content. Alors, c'est vrai que la météo montagne... c'est quelque chose de particulier parce que ça change. Oui. C'est comme la mer, ça change tout le temps et très non seulement vite. Ça change tout le temps, mais ça change entre par exemple Samoin et Flaine, on n'a pas le même temps. Alors c'est parfois un peu compliqué. On en parlera tout à l'heure. Et oui, vous savez pourquoi ? C'est parce que les sommets bloquent évidemment les effets de feu, microclimat, tout ça, c'est une réalité ici. Regardez, en tout cas, ça skie. Hein. Dès le matin, ils sont à fond sur les pistes. Il y avait quelqu'un qui faisait du cani-rando là. Tu as pas vu ? Non, j'ai pas vu malheureusement. J'ai raté le chien. Ouais. J'ai raté le chien. Et pourtant, ça manque pas dans la région. Notre ambassadrice du Made in France, tout de blanc vêtu, c'est Nathalie Schoenbierma. Et d'orange, oui. C'est sous-tendu d'orange. Écoute, ce matin, ça va être une chronique consacrée à des designers de talent qui aiment le bois, qui travaillent le bois. C'est juste exceptionnel, vous verrez. Et on va voir ça avec grand bonheur. Un autre qui est tout de blanc vêtu, c'est le meilleur ouvrier de France, pâtissier de Samoin, c'est Thierry Froissart. Viens dans mes bras, Thierry. Bonjour, Vincent. C'est un grand pâtissier, c'est un homme que j'aime beaucoup, d'une grande humanité. Merci. Ça va te gêner un petit peu. Si, Je te connais, ça va tout gêner après. Encore une recette qu'on va écouter attentivement. Là. Alors évidemment, vous l'avez vu sur le plateau, avec ces belles images qu'il nous a apportées. C'est quoi le nom de cette spécialité au myrtille ? Alors c'est la galette septimontaine. La galette septimontaine, la galette de Samoin. Oui.
Alors, c'est un peu comme une tarte au sucre, mais aux myrtilles. Voilà, exactement, avec de la crème dessus, du beurre, enfin que des bonnes choses. Voilà, voilà, les sept mots, elles sont là, les sept molards. Absolument. C'est et alors, tu dis la galette septimolarde, ça le fait moins. Oui, aux septiglaviotes. Non, mais ouais. En revanche, je le précise, hein, molard n'est pas une injure. Hein, molard, c'est le nom des collines, hein, des petits monts ici, en Savoyard, on va dire. Alors, aujourd'hui, on va préparer une autre recette aux myrtilles. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on a fait une petite base pour que les ménagères puissent refaire. Donc, ça va être un streusel, un petit compoté. Streusel, c'est un biscuit. Hein. Un biscuit croustillant, une compotée de myrtilles, les fruits de locaux aussi. Hein, bien qu'on sûr, récolte bien sûr. Au mois d'août, du côté de Jouplane ou par là. Et puis après, on va faire une petite mousse chocolat, facile à faire. Et donc, ça s'appelle comment, l'ensemble ? Moi, j'ai appelé ça le dessert de montagne, voilà. Dessert de montagne, voilà, dessert des Alpes, dessert de montagne. Ça, voilà. Hein, ce petit mélange de chocolat, de ganache et de myrtille. Il faut dire que ça sonne bien montagnard. Oui, c'est vrai. Puis ça va être pratique à faire et c'est facile à refaire surtout. Ouais, vous savez pourquoi les pâtissiers sont heureux à la montagne ? Parce que c'est quand même un endroit où les gens prennent le temps de goûter. Hein, souvent, on vient prendre un chocolat chaud au salon de thé, à la pâtisserie, puis on va manger un gâteau. Il faut se reconstituer en ayant fait du ski. Il faut prendre des forces aussi. Donc, forces. Parce que c'est du physique. La force est dans la myrtille. C'est un peu ça. Oui. Il faut aller chercher les myrtilles. Vous n'étiez peut-être pas au courant. La force est la myrtille. C'est avec Thierry Froissart dans quelques instants. Mon Jean-Seb. Bestiaux, il a été élevé à la Brimbelle-Vosgienne. Hein. À la Brimbelle, c'est la myrtille. Dans les Vosges. Coin, hein. Voilà. Alors, mes amis, il y a aussi des personnages dans ces montagnes, et notamment dans le Chablais. Et justement, on va commencer en prenant le temps. On va prendre le temps de regarder un coucher de soleil, parce que ici, justement, après avoir fait du ski, il faut se reconstituer. Mais il faut aussi, parfois, devenir totalement contemplatif, comme hier soir. Parce que hier soir, j'ai attrapé avec moi un de nos cadreurs et je lui ai dit « Regarde, Jean-François, ce qui se passe en ce moment. » On s'est posé et on a filmé ces images où la montagne s'embrase tout doucement avec ce soleil qui commence à tomber comme ça derrière la montagne et ça donne des moments de grâce absolument inimitables qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Alors oui, il n'y a pas de rayon vert. Il y a parlé en vert devant quand même. Pardon ? Tu t'es mis à parler en vert devant un spectacle évidemment. Comme ça. Et contre c'est, tout. C'est des moments totalement uniques. Et des moments comme ça, je vais vous présenter un homme qui en vit tous les jours. Tous les jours et tout seul. Alors personnellement, moi c'est quelqu'un que j'envie énormément parce que ça va peut-être vous choquer une fois que vous l'aurez découvert. Vous ne serez peut-être pas du tout séduit par son mode de vie. Mais Claudius, personnellement, moi j'aime sa philosophie. Philosophie qu'il a acquise au long d'une vie active au service des autres. Et cette vie, bah, ça l'a mené là où il est. Si la montagne est synonyme de grands espaces où seule règne la nature, elle offre également son lot de belles rencontres. À 1600 mètres d'altitude, cette maison est le seul signe de présence humaine. Le refuge de Chavant est gardé par Claudius, un curieux personnage qui a décidé de s'installer ici il y a 9 ans. Je suis en train de déneiger le seuil de ma porte d'entrée. Ça fait partie des premières choses que je fais chaque matin. Et à 73 ans, certains jours, c'est un petit peu difficile, mais c'est une passion. Installé à 4 km du premier village, Claudius ne descend que 2 fois par an dans la vallée. Pour lui, la solitude n'est pas un souci, mais un véritable épanouissement. Le silence, il peut parfois gêner, mais il ne s'oppose pas du tout à la parole. Au contraire, il la contient, il la construit, et souvent, il l'enrichit. Tout comme la solitude m'apprend à aimer l'autre, le silence m'apprend le poids et la force des mots. Vous l'aurez compris, Claudius est un philosophe des temps modernes. Et en parlant modernité, aussi surprenant que cela puisse paraître, le septuagénaire est équipé d'une liaison satellite et d'une connexion Internet. Oui, bonjour. Oui, très bien vous-même. Une nécessité pour la bonne gestion du refuge. Ben, c'est surprenant, mais c'est utile. C'est toujours important de communiquer avec les gens, comme on pourrait le faire également dans d'autres circonstances, dans la vallée par exemple. Mais le confort reste tout de même sommaire à cette altitude. Exposé plein nord,
le refuge atteint parfois des températures à la limite du supportable. Cependant, pas de quoi inquiéter Claudius. Lorsque je suis seul, je ne chauffe que ma loge. Pour économiser le bois, évidemment. Je ne chauffe pas la nuit parce que la nuit, je dors. Et les froids les plus vifs que j'ai eus, c'est moins 31 à l'abri du vent. J'ai ouvert le couvercle de la marmite. Il y avait un gros glaçon vert, c'était ma soupe de la veille. Aujourd'hui, Claudius a chauffé l'ensemble du chalet et ça tombe bien, car il attend des visiteurs. Bonjour. Ça va ? Et vous ? Bien, merci. Bonjour. Tu vas top l'empouetter. Allez, rentrez. Souhaitez-vous boire une chèvre avant le blanc ? C'est pour le plaisir de la vie. Tu as fait quoi ? Du cidre ? Du cidre de pomme, du miel de rhododendron, de la cannelle, 3 bâtons de vanille parfum. Voilà, toujours de la vanille. Voilà. Et puis du sucre. Du sucre. Et de la crème de riz, bien sûr. Excellent. L'accueil est une tradition en montagne. On a toujours apprécié de voir les gens qui passaient près du chalet venir nous dire bonjour. Autrefois architecte, puis maire d'une commune dans la vallée, Claudius a changé de vie à l'heure de la retraite. Un choix qu'il ne regrette pas. J'ai appris à vivre de façon particulière et à trouver un lien privilégié avec le temps. Je fais ici l'éloge de la lenteur. C'est ainsi que je vis véritablement libre, sans contrainte et de façon harmonieuse dans la montagne. Touché par l'amour, tout homme devient poète, disait Platon. En rejoignant Chavant, Claudius a eu, lui, le coup de foudre. Et rien ne pourra le séparer de son havre de paix. Respect, monsieur Claudius. C'est pas mal, hein, il me semble. C'est pas mal. Jean-Seb, toi tu dis que tu as envie de vivre comme ça, je peux le comprendre, mais vous auriez vu sa tête hier quand il a vu que le wifi passait mal à l'hôtel. Donc c'est parce mais qu'il pareil, en a chez Claudius. Mais il en a lui. Mais oui. Mais je crois que le wifi justement va peut-être donner envie à de plus en plus de personnes de s'éloigner des grandes villes. Savez, pour se retrouver à Chavant, c'est pas se retrouver hors du monde, c'est se retrouver hors du temps. Ce qui est totalement différent. Il est totalement relié au monde, Claudius, mais il est entièrement hors du temps, puisqu'il vit à son rythme. Alors, et il fait ce qu'il veut. J'ai compris qu'il vivait aussi grâce à son gîte. Comment est-ce qu'il fait pour se ravitailler ? T'as entendu, la chèvre voulait prendre une chèvre. C'est exactement ça. Cidre de pommes. Les pommes, elles sont autour de lui, il les récolte à l'automne. Le miel de rhododendron, il a des ruches. Il faut être organisé. Il récupère. Et Claudius, il descend 2 fois par an dans la vallée pour aller se ravitailler. Et il peut passer 2 à 3 semaines sans voir personne, puisque l'activité de refuge, c'est pas une activité qui est habituelle, où il y a des gens qui viennent tous les jours. Donc c'est une vie totalement incroyable, et c'est une vie, comme il le dit lui-même, où il fait l'éloge de la lenteur. Mais dans un cadre exceptionnel. Oui, un massif montagneux extrêmement dense, perdu. Là. Et quand même extrêmement varié, parce que l'intérêt de la montagne, c'est que les 4 saisons sont radicalement différentes. Donc tu peux passer une journée sous la neige, c'était le cas il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, et puis regarde, aujourd'hui c'est le printemps, et ça change l'ambiance, ça change l'humeur des jours. Ça change le son dans lequel il vit, ça change l'atmosphère, ça change la température aussi, parce que quand il récupère sa soupe gelée dans la casserole. Il faut savoir que Claudius est un fin connaisseur de la faune, de la flore aujourd'hui. C'est un cuisinier inventif. Il raconte le ragoût de cuisse de renard comme personne. Ah bah ça... Personne ne le fait, quoi. Parce que personne ne le fait. Tout ça. Et il vit avec quelques amis autour de lui qui sont notamment un chevreuil. Chevreuil qui a échoué. Pas beaucoup de conversations non plus. Hein. Non, mais il va pas durer longtemps, surtout, parce que s'il mange ce qu'il trouve autour de chez lui. Alors, justement, ce chevreuil, il l'adore parce que ça fait 21 saisons de chasse qui lui échappent. Voilà. Et donc c'est devenu un ami. Mes amis, un spécialiste de la montagne nous a rejoint de Samoin. C'est Patrick Brosé, qui est journaliste et écrivain. Je disais spécialiste de la montagne, il faut savoir, à travers quelques livres que nous avons beaucoup aimés dans l'équipe, qui traitent toujours de ce beau territoire. Patrick, vous n'êtes pas natif d'ici, mais vous avez adopté Samoin et ce Chablais, la Haute-Savoie.
Alors, en effet, nul n'est parfait. Je suis né ailleurs, sur des terres de Bretagne. J'ai vécu ensuite un peu à Paris. Et je suis venu m'installer ici. Et la question que l'on me pose très fréquemment, si ce n'est quotidiennement, c'est pourquoi ? Le problème, c'est que je n'ai pas de réponse au pourquoi. Parce que les réponses sont là, autour L'amour de nous. L'amour ne s'explique pas. Exactement, mais entre autres, il suffit de regarder, il suffit d'écouter des hommes comme Claudius. Il suffit de rentrer dans les fermes ou dans les bistrots clandestins. Et il y en a encore ici. Et il y en a. Et vous y êtes rendu, vous, à ce refuge de Claudius ? Non, vous je l'avez rencontré ? Non, je ne le connais pas. C'est très perdu, hein, quand même. Oui, hein. mais nous avons ici des hommes du même calibre et de la même personnalité. Et c'est peut-être aussi tout cela qui m'a donné envie d'écrire. Alors là, on a ce cirque hein, qui borde notre plateau, hein, ce fameux cirque du fer à cheval. Ça, c'est vraiment un lieu magique ici à Samoa, dans le bout de la vallée. Alors non seulement magique, parce qu'il est exceptionnel par sa constitution. Il y a quand même des falaises de 5 à 700 mètres de haut pour un massif qui va jusqu'à 3000. Il y a une trentaine de cascades, notamment. Et écoutez le chant des cascades. Extraordinaire. Généralement, on se dit que toutes ont le même bruit. Absolument pas. Allez écouter un soir d'été, là où les cascades tombent bien. Chaque cascade a un bruit différent. C'est ça qui va donner la musique différente. C'est, donc, oui. Le cirque de Six Fer à Cheval vient de rejoindre dans le club très fermé des grands sites de France le cirque de Gavarnie et la Pointe du Raz, par exemple. C'est dire si c'est important et reconnu par l'État maintenant par ce label. Alors, et comment, Patrick, vous restez évidemment avec nous dans cette émission. Vous êtes notre témoin de la montagne qui nous environne. Vous nous présentez également votre dernier livre, Mon fils va venir me chercher, qui est sous-tendu évidemment par cette montagne, hein, toujours présente dans votre œuvre. On sent vraiment que vous êtes amoureux du lieu. Hein. Évidemment, c'est ce qui fait que j'y suis resté depuis 22 ans. C'est ce qui fait que j'ai encore envie de connaître davantage et de rencontrer des gens comme Claudius qui vont me donner envie et qui vont me donner matière aussi à faire des personnages à la fois atypiques mais vrais. Il a dit une phrase extrêmement importante. Et il a parlé du silence, il a parlé de la lenteur et il a parlé de l'humanité. Ce sont quand même trois éléments constitutifs de la belle vie. Trois valeurs qui ont tendance à disparaître dans nos vies dingues et qu'on est bien content de retrouver ici, aussi un peu grâce à Claudius et grâce à vous, Patrick, ici en montagne. Les amis, l'éloge de la lenteur, c'est aussi l'affaire du pâtissier, du chocolatier, hein, parce que tout doit se faire dans les temps, mon cher Thierry. Oui, ça avance doucement. Donc tu en es où, là, dis donc, je te vois touiller la myrtille. Absolument, donc j'ai pris des fruits entiers, hein, donc les myrtilles entières. T'es bon à touiller la myrtille, toi. Absolument, oui, absolument. Ah, et faire des bons mélanges. Ensuite, j'ai mis un petit peu de sucre, pas trop, hein, simplement pour garder le parfum. Et on va légèrement coller la compotée avec de la fécule et un petit peu d'eau. Fécule, toi, tu ne mets pas de la fécule de maïs ? Non, je ne mets pas de la gélatine. Tu mets de la pomme de terre. Voilà, exactement, pour qu'il y ait une tenue uniquement et que ce ne soit pas trop ferme. Voilà. Alors, ça va avoir quoi comme effet ? Que quand ça va refroidir, ça va épaissir un petit peu le jus ? Voilà, ça va uniquement épaissir et ça sera moins compact à la dégustation. Voilà. Mais ça, c'est malin, hein, parce que d'habitude, on y met souvent alors, soit des gélifiants de fruits, voilà, de la pectine ou de la gélatine, d'ailleurs, hein, qui est animale. Hein, c'est souvent un sous-produit du cochon, la gélatine. Tout à fait. Toi, tu préfères y mettre de la farine de pomme de terre. Exactement. Donc, il y aura une petite tenue qui sera un peu ferme, mais pas trop. Voilà. Et ça ne va pas opacifier la fécule de pomme de terre ? Un petit peu. Absolument. C'est bien eu. Ça n'altère pas le goût. Non, absolument. Non, non, ça n'a aucun goût. Hein. Tu as raison de signaler. En fait, on veut simplement, parce que la myrtille, quand même, c'est riche en eau. Hein, il y a beaucoup de fruits. Il y a beaucoup d'eau dans ces fruits-là. Et en fait, ce qu'on veut, c'est tenir tout en gardant le fruit en entier. D'accord ? Épaissir, quoi. Épaissir, uniquement épaissir. Voilà. Donc, il n'y a pas une grosse cuisson qui va permettre de perdre le goût. C'est uniquement, je veux garder les myrtilles entières et épaissir le procédé. Et alors, pour être extrêmement technique, parce que je sais que nos téléspectateurs et téléspectatrices, ils adorent ça. Si on avait mis de la maïzena, plutôt, c'est-à-dire de la fécule de maïs, ça aurait été plus, comment dire, gélatineux. Hein, un petit peu plus, voilà. Plus alors glutineux. Après, chacun travaille un petit peu avec ses produits. On peut travailler avec la gélatine, la fécule ou la maïzena. Chacun travaille avec ses produits. Mais on peut faire aussi avec la maïzena. Voilà. Et puis quoi, allez, on est en Savoie, la patate, ça compte, quoi. Donc, ça. La fécule de pomme de terre, bah oui, quand même, allez, voilà. Mes amis, je vous l'avais dit,
le soleil ne nous quittera pas de la semaine. Moi, je m'y engage. C'est peut-être pas le cas de tout le monde ici, mais tout le monde n'est pas spécialiste météo, Laurent Guillaume. Non, mais attends, tu m'as demandé il y a 5 jours, quel temps il ferait hier. Bah, il y a 5 jours, il devait neiger hier, puis il a fait beau. Voilà, c'est comme ça. Bon, et c'est un sujet avec lequel on ne plaisante pas en montagne, non, Vincent. J'ai l'impression, hein. T'as vu, il est un petit peu touchy, hein. Tu vas nous le fâcher. Mais attends, hein. Attends, parce qu'en montagne, tout est météo-dépendant. Évidemment, c'est une question de survie parfois quand même, les orages, la neige, etc. Alors forcément, ici, on s'intéresse beaucoup à la météo. Et vous savez que depuis quelque temps, on peut trouver sur Internet les modèles de prévision numérique qui servent aux prévisionnistes pour créer les bulletins. Il y a des amateurs qui sont devenus de véritables experts en la matière. En faisant à force de faire des bulletins comme ça. Ils sont sur Internet. Ils ont critiqué les présentateurs météo. Ouais, on verra ça après tout à l'heure. Des sortes de blogueurs de la météo. Des blogueurs de la météo qui ont un grand succès sur Internet. Et ceux que j'ai rencontrés dans le Beaufortin en Savoie sont assez fous pour avoir déménagé depuis Béziers jusqu'en Savoie pour le plaisir de voir la neige tomber. Ils me ressemblent un peu et on va les rencontrer. Alors c'est bien joli de se promener dans des villages sublimés par la neige ou encore de profiter de ces espaces immaculés. Mais pour ça, il faut une chose, qu'elle tombe. Et je vous cache pas que certaines années, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Alors certains passent une bonne partie de leur temps à regarder le ciel ou les modèles météo en espérant que la neige tombe. On les appelle les hivernophiles. Ils sont par exemple capables de déménager pour venir s'installer dans un endroit où l'hiver est véritablement puissant. Ou encore, ils peuvent poser une journée de congé simplement pour voir une tempête de neige. J'en connais deux, ils habitent là. Et vous allez voir que quand deux cinglés de météo se rencontrent, ça donne ça. Alors donc, c'est pas parce qu'on a un modèle météo qu'on fait forcément de la prévision météo. Il faut quand même avoir de l'expérience et puis un peu de connaissance. On est d'accord là-dessus. Ça fait depuis mes 12-13 ans que je regarde les modèles. Ça fait plus de 10 ans que je lis les modèles. Donc à force, j'ai un peu appris à les lire. Quoi. Alors t'es tellement passionné que t'as créé une page spéciale. C'est-à-dire que c'est interactif. Toi, tu donnes des prévisions avec un tableau, par exemple, ici. Voilà. Donc là, c'est sur un épisode des Jeux du mois de janvier. Ouais. Donc là, chaque massif, chaque secteur est détaillé avec les quantités de neige attendues. Ouais. Et après, je mets des observations, des suivis. Et là, la communauté des gens qui participent sur Météo Alpes nous envoie des photos avec leur chute de neige, leur quantité de neige. Mais qu'est-ce qui différencie ton travail de celui des professionnels de Météo France ou d'autres instituts? Moi, c'est une passion, avant tout. Je ne veux pas que ça soit autre chose. Vraiment, les professionnels Météo France, eux, ils ont une énorme responsabilité. S'il neige, s'il y a des problèmes sur la route, ils ont lancé une vigilance. Donc moi, je ne veux surtout pas rentrer là-dedans. Ça, c'est vraiment leur travail. Avec 40 cm de neige fraîche tombée ces derniers jours dans le Beaufortin, Thomas et sa compagne Sandra sont aux anges. Il faut dire qu'ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Qu'est-ce qu'elle est légère ! On aurait presque envie de se rouler dedans. Ouais, presque. Hein. Car par amour pour le flocon, ils ont radicalement changé de vie. Expliquez-moi tous les deux comment on se retrouve ici en Savoie alors que vous viviez dans l'Hérault. C'est ça, dans l'Hérault. Et on était tous les deux à la faculté à Montpellier. On s'est dit, on a commencé à aller voir un peu la neige tous les deux ensemble. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, faire 2 heures de route pour aller voir la neige dans les Cévennes, ça va un moment. Donc on s'est dit, le mieux, c'est on adore la montagne, on va essayer de s'y installer directement. Et c'est pas par hasard que vous avez choisi le Beaufortin. Vous avez regardé les cartes de précipitation dans les Alpes et vous avez dit, bah tiens, c'est là qu'il y a le plus de neige. C'est ça. Ce qui est vrai. Oui. Donc vous êtes assez fou pour venir vous mettre dans un endroit où, justement, il neige plus qu'ailleurs. Exactement, oui. Et toi aussi? Tout à fait. Tu étais exactement dans le même état d'esprit. On est dans le même état d'esprit et on a découvert tout de suite qu'on avait les mêmes passions, quoi. Alors, la neige, ok, vous aimez ça. Mais est-ce que vous l'aimez aussi dans la tête, toutes les... Ah non, vous êtes deux, hein. Donc ce sont comme moi des hivernophiles maniaco-compulsifs. Et ça cartonne. Parce que je ne vous cacherai pas que cet hiver, il était un petit peu pourri dans les Alpes du Nord. On a eu 3 ou 4 vraies grosses chutes de neige, donc on était, nous, un petit peu en manque. Et quand il y a une grosse chute de neige, il arrive à avoir 300 000 clics sur son site, alors qu'il ne se substitue pas vraiment à Météo France. C'est quelque chose d'un peu différent. Lui, il le fait quand il a envie, quand il a le temps et quand il se passe quelque chose. Hein, les anticyclones qui durent 15 jours, bon, on dit qu'il fait beau pendant nos 15 jours, voilà. Est-ce que l'avantage pour lui, c'est pas d'être sur place quand même à un moment donné? Oui, mais pas seulement, parce qu'il fait la météo pour toutes les Alpes du Nord, y compris dans les autres massifs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est très précis, ce garçon. Et moi, je vous le dis, c'est un vrai bon, je le connais, c'est un mec bien. Alors, tu parles d'une météo très précise. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la météo à la télé n'est pas toujours très fiable? C'est marrant, je m'attendais à ce que tu me poses cette question. On a envie de savoir. Mais, alors, tu peux, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je t'explique. Il m'arrive de présenter la météo sur France 2, notamment l'été.
On a en moyenne 2 minutes 30 pour parler de la météo à 7 jours avec les cartes des anticyclones de dépression, les radars, parfois les allergènes, et puis le programme à la fin. Donc on est obligé de synthétiser. Or, les Alpes, c'est des microclimats absolument partout. Par exemple, entre la vallée de Chamonix qui est à vol d'oiseau à 10 km d'ici et puis les Préalpes, il y a une différence de climat fondamentale. Il peut neiger à 1000 mètres à Chamonix et à 2000 mètres sur le Chablais. Donc comment veux-tu qu'en 2 minutes on précise ça ? Alors on dit il va neiger sur les Alpes, on fait une moyenne à 1500 mètres, et puis les gens gueulent derrière. Enfin, Je me suis même demandé si ce n'était pas une technique pour nous convaincre de partir week-end. La légende urbaine de la météo à touristes. On attaque toujours. Alors, la météo. On t'a déjà dit t'as ça. Tu as une toi réponse aussi. À ça ? Oui, en tout cas, j'ai un moyen de vérifier. Vous allez sur Internet, vous demandez GFS, qui est un modèle en libre accès. Et quand tu vois que la météo t'annonce du mauvais temps, tu vérifies sur les cartes, tu vois bien que les modèles numériques ne sont pas là pour organiser nos week-ends. Non, mais il y a une chose aussi, Laurent, c'est que honnêtement, les téléspectateurs n'écoutent pas très bien ce que disent les présentateurs météo. Tu veux dire que j'écoute pas ? Franchement, Laurent, des fois, on met un petit nuage avec un bout de rayon de soleil et de la pluie, on dit que c'est un temps variable. Et le lendemain, quand tout d'un coup il fait beau pendant 2 heures, tout le monde nous tombe dessus. Nathalie, tu t'adresses à une ancienne Miss Météo de Canal+. Je déforme ma corporation, très sérieux. Mais Glantine, depuis quand on fait de la météo sur Canal? Quand j'y étais. Voilà. Oh là, c'est sûr et que ce n'est pas la première chose qu'on regarde quand on a une Miss Météo sur Canal. C'est vrai. Tu as parlé de France 2, tu as parlé de Canal. Si, pour avoir de la météo régionale, il suffit de regarder France 3. Sur France 3, on le souligne quand même au passage. Chaque région donne la météo dans sa région. Notamment, on a un autre spécialiste de la météo en montagne, c'est Patrick Breuset, notre ami journaliste et écrivain, puisque on m'a raconté qu'il s'est installé à Samoin sur une sorte de jeté de dés météo, justement. Et on m'a dit que vous êtes venu ici, que c'était le seul endroit où il faisait beau le jour où vous êtes passé dans la région. Il y a du vrai. En effet, en bon parisien que j'étais et voulant faire découvrir la région à ma compagne, on était venu, mauvais choix, mi-avril, dans une station pas loin d'ici, je ne donnerai pas son nom. Mais non, ça serait moche. Pas loin d'ici. Et puis, il faisait moche. C'était une fin de saison. Il n'y avait plus rien dans les réfrigérateurs, etc. Et en repartant, mais vous avez tout de suite deviné, Châtillon, on tournait à gauche et on rentrait sur Paris par l'autoroute. Où on a regardé un peu à droite. Il se trouve qu'un peu à droite, il faisait beau. Il y avait des gloires. Vous savez, c'est ces rayons de soleil qui trouent les nuages. On en était presque là. On s'est dit, tiens, pour que le week-end ne soit pas entièrement gâché, allons vers Samoin. Et c'était le début d'une histoire. Et ce n'est pas le week-end qui n'a pas été gâché, c'est la vie qui a été retrouvée. Voilà. Et c'est ici et c'est à Samoin. C'est l'émission de la poésie. La belle montagne t'inspire, Vincent. La montagne t'inspire. Je voudrais rajouter un tout petit détail. Ça va toujours dans le bon sens. Il y a dans les pays de montagne, je pense que vous le savez comme moi, ce qu'on appelle le baromètre du pauvre, c'est-à-dire une branchette de sapin avec une branchette plus ou moins perpendiculaire qui est clouée sur le chalet. Quand la perpendiculaire remonte, c'est que le mauvais temps arrive. Quand elle redescend, c'est qu'il y aura beau temps. Voilà l'expression atmosphérique vue côté nature. Bah nous, on est très green dans l'émission. Merci Patrick Breuset. Allez, on va à la recette parce que la bonne pâtisserie, ça n'attend pas. Et on est avec Thierry Froissart, le meilleur ouvrier de France, pâtissier d'ici, de Samoin. Il est Septimontin. Et hop, tu as mis dans ta poche à douille. T'as compoté de myrtille un petit peu épaissie. Voilà. Et ça, c'est quoi ce disque ? En fait, c'est le streusel qu'on a fait. Le streusel, par rapport à un gâteau, un stablé breton par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le streusel ? Il y a de la poudre d'amande, de noisette ? Il y a de la poudre d'amande, il y a de la cassonade, il y a une petite pointe de sel et du beurre. C'est un genre de sablé quand même, le streusel. Alors normalement, le streusel se met sur les produits. En général, on les met sur une tarte aux pommes. Et là, j'ai fait un petit peu l'inverse. On aura vraiment. Ah bah oui, donc tu l'as mis dessus. Ouais, j'ai mis dessus. Il est trop fort. Il j'ai a mis dessous parce que le streusel. J'aime bien cette texture. Vas-y, je te laisse bosser un peu parce que je t'ai vu que tu étais en train de battre ta crème, ta crème. La compotée, elle est faite. Et maintenant, donc, on va faire notre petit fondant chocolat qui se compose d'une crème fouettée montée. Et on va incorporer dedans du chocolat. Et en fait, les proportions, c'est important. Dis donc, le chocolat, j'ai vu que tu l'as fait fondre au soleil pratiquement. Hein, parce qu'ici, ici, ce matin, il n'y a presque pas besoin de le mettre à chauffer dans un bain-marie parce qu'il fait. Il doit faire 12-13 degrés. Hein, là, et au soleil, un petit peu plus.
Donc ça, c'est une crème montée, quoi, une crème fouettée. Une crème fouettée, voilà. Elle n'est pas sucrée. Ah bon, tu la sucres pas. Autrement, ce serait une crème chantilly, d'accord. Ah, si elle était vanillée aussi, un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Mais surtout sucrée. Alors donc, pas sucrée. Mais voilà. En même temps, vaut mieux ne pas trop la sucrer avec les myrtilles. Il y a déjà du sucre aussi dans la jolie myrtille. Voilà, en fait, il faut toujours, on essaye maintenant de faire des pâtisseries juste sucrées. Donc c'est tout l'équilibre des produits qu'on peut avoir, voilà. Eh, dis donc, meilleur ouvrier de France, t'aimes ça toi, hein, Nathalie, hein. Bah oui, je vois. Dès qu'elle voit un col bleu blanc rouge, ça les moustille. C'est normal, c'est notre ambassadrice du Made in France. J'aime bien l'excellence à la française, effectivement. Bah ouais, et bah, tu vois, elle est ici, voilà. Chez Thierry. Thierry, je te laisse bosser. Pendant ce temps-là, on va aller s'instruire, mes amis. Pour ça, on a la maîtresse d'école, c'est Sophie Delma, on le dit à Savoyarde. Sophie Delmas, qui connaît tout sur tout et qui révèle pas toujours tout. Mais enfin, je la laisse faire. Alors. Donc, spécial Haute-Savoie ce matin, dans nos chères montagnes. Spécial 7e art. Vous savez quand même que j'ai un attachement particulier au cinéma, ah oui, à la musique, quand même, il faut le souligner. Et donc, ce matin, je vais vous emmener dans cette très jolie commune, à quelques kilomètres d'ici, des Jets. Ah, déjà. OK, vous connaissez ? Un jet de pierre. Eh bien, figurez-vous que cette très belle commune des Jets, cette station, a servi de décor en 2007 pour un film à grand succès. 2006. Quel est ce film ? Oh, le film de Jean-Baptiste. La première étoile. La première étoile, Lucien Jean-Baptiste. Qui a eu sa première étoile ici ? Bien plus. Ça fait un petit tout le monde, j'espère. Ah non, Patrick Brosier dit non, lui. Ah, non. D'accord. Alors, il est pas trop tard. Qui a eu sa deuxième étoile ? Est-ce que dans les. Non, moi, je nos chers amis, nos spectateurs. Bah, peut-être que dans le public, non ? Levez la main, non ? Eh bien, décidément. Eh bien, dis donc. Les étoiles se perdent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, fin 2017, Lucien Jean-Baptiste nous offrira le deuxième volet. Ah, donc la deuxième étoile, voilà, qui est en tournage en ce moment. En ce moment même ? Absolument. Eh ben, ils ont du beau temps, ça nous fait plaisir pour eux. Voilà, et il faut quand même souligner qu'il est à l'affiche et il a bien sûr réalisé un film qui cartonne. Il a déjà tes yeux. Voilà, très je ne sais pas si vous avez vu qui ce film. Qui a dépassé le million, effectivement. Qui a dépassé le million. Voilà, un comédien et un réalisateur qu'on aime beaucoup. Bah, on les embrasse, toute l'équipe de la deuxième étoile. Allez, on reste 7e art, vous êtes d'accord ? C'est parti. Savez-vous quel grand comédien de théâtre et acteur de cinéma est né juste après-guerre à Annecy ? Voilà, un indice supplémentaire. Un petit indice. Alors, il a reçu lors de sa carrière pas moins de 3 Césars. 3 Césars ? Oui. Ah, je le sais, c'est écrit alors, là. Alors, je crois que quelqu'un dans le public. Ah, peut-être Martine. Martine, oui. Approchez-vous. Alors, vous avez la réponse. Alors, quelle est la réponse ? André Dussolier. Bravo, Martine. Avec, voilà, donc 2 Césars, meilleur second rôle, Un cœur en hiver, La chambre des officiers et surtout meilleur acteur pour un film d'Alain René. On connaît la chanson. Et après 4 nominations, André Dussolier a reçu le Molière pour son spectacle Novecento où il joue, il chante, il danse. Je connais ce spectacle puisque un des musiciens d'un de mes meilleurs amis, c'était mon propre batteur. Allez, si, il faut le dire. Oui, petite pub personnelle, tu as raison. Non, c'est pour dire que c'est un très beau spectacle. Et André Dussolier est actuellement à l'affiche du film de Lucas Bellevaux, Chez nous, à découvrir donc sur les grands écrans, chers amis. Nous, on aime beaucoup André Dussolier, presque autant que Sophie Delmas. C'est l'un des comédiens, je crois, les plus aimés des Français. C'est absolument. Vrai que je l'adore. Et on est très contents, en définitive, d'avoir rattaché la Savoie en 1860. Grâce à ça, on a beaucoup de grands comédiens, de grands artistes et de grands noms qui sont français. Grâce à ça, ça fait un moment maintenant. Mes chers amis, il est bientôt 11h30 dans cette émission. Et on va passer au dernier tiers de l'émission. Et croyez-moi, dans ce qui va suivre, on va vous intéresser, on va vous passionner. Nathalie Schrengirma mettra des fleurs dans ses cheveux. Et se rendra à Woodstock, un reportage qui ne vous laissera pas de bois. Enfin, vous verrez avec elle tout à l'heure. Ensuite, Jean-Sébastien vous fera découvrir la station des Jets dont nous a parlé à l'instant Sophie Delmas. Mais à travers les yeux d'un Jetois, on s'en jette un ? Allez, on verra tout à l'heure. Voilà, c'est évidemment dans cette partie d'émission qui suit. Mais on va tout de suite commencer par les races locales emblématiques. La Thône et Marteau. C'est pas Églantine dont il s'agit, c'est un nom. Bah parce qu'on est à côté de Thône, hein. C'est sur le chemin du lac d'Annecy, Églantine. Exactement, je voulais vous montrer ce mouton absolument magnifique. C'est vraiment une de mes races préférées. C'est le Thône et Marteau, donc. Regarde un petit peu, c'est le seul vrai mouton savoyard. Ce sont ses origines. Il vient évidemment de ces deux villages, en fait. C'est l'union de deux moutons, un de Thône et un de Marteau. Et ce mouton est magnifique. Oui, bon bélier, en fait, là.
Ouais, mes fiches l'intéressent beaucoup. Ça va me permettre de vous le garder près de la caméra. Ces moutons m'ont été amenés par Laurence Girard. Bonjour Laurence. Bonjour. Ils sont sublimes. Je voudrais regarder. Vous en avez déjà vu d'aussi beaux. C'est long corne comme ça. C'est un mouton tout frisé avec des poils assez longs. Et puis vous avez vu, naturellement, il a déjà ses lunettes de soleil. C'est très très bien ça pour le protéger de la luminosité. C'est vraiment un mouton parfaitement adapté à la région, Laurence. Oui, c'est un mouton qui aime l'altitude, qui aime le froid et également le chaud, et un mouton vraiment rustique et qui lui permet de s'acclimater très très facilement. Alors il y a deux petits là, je ne sais pas si vous les avez vus, ils ont à peine 15 jours. Ils sont déjà très à l'aise aussi dans le froid et la neige ? Sans aucun problème, puisque des journées comme ça, ils sont dehors et ils rentrent simplement le soir. Alors ce qui est génial, c'est que là vous vous dites que je suis avec une éleveuse. Pas du tout. Laurence, vous êtes une véritable passionnée. Dans la réalité, vous êtes directrice d'un office de tourisme. Oui, je m'occupe de l'office de tourisme de Prades-Lys-Saumans, c'est une petite station à côté. Mais j'ai une passion avec mon compagnon Damien, c'est cette race vraiment rustique, la race des Savoies. Et nous tenions vraiment à pouvoir préserver cette espèce, en plus très sympa. Oui, c'est important parce que c'est vrai que c'est une race qui aurait pu disparaître. Vous faites partie comme ça des moyens pour la sauvegarder. Mais vous l'utilisez aussi pour préserver, pour pâturer chez vous. Oui, on a pas mal de terrain autour de notre chalet. Et l'idée, c'est d'entretenir le paysage. Je n'ai pas de tondeuse. Ma tondeuse naturelle, eh bien, c'est cet élevage de Thône et Marteau. Églantine, est-ce que tu peux demander à l'éleveuse, parce qu'on sait que Thône, c'est plutôt une région de vaches, avec le reblochon, c'est le pays du reblochon. On fait des fromages de brebis également. On fait des fromages de brebis, évidemment, avec le Thône et Marteau. Bien sûr, et notamment à Sixte, il y a une éleveuse qui propose une très bonne tome de brebis. Tu parlais du reblochon, Vincent. Tu sais que ce mouton-là, avant, on le mettait dans les caves à reblochon pour maintenir la température et l'hygrométrie permanente. C'est pas possible. Et l'hygrométrie, parce qu'il garde dans son poil ? Écoute, je suppose que son poil, incroyable, sa présence, voilà, permet de maintenir tout ça. Alors, ce qui est formidable, regardez-moi, ce petit agneau. Alors, en plus, vous avez vu, il a déjà des petites cornes. Je ne sais pas si on les voit bien. Ça, c'est une particularité de ce mouton. C'est que la brebis, comme le mouton, comme l'agneau, ont des cornes. Et alors, Laurence, vous êtes en train de câliner. Toute la famille est passionnée et vous les gardez aussi parce que simplement, c'est un animal extrêmement adorable, sympathique. Il y a une véritable amitié et puis on a des enfants, des petits-enfants, des neveux et tout le monde participe à cet élevage et c'est la vie aussi du village. Donc ça fait partie du décor de Mieuxcy puisqu'on est à Mieuxcy. Merci beaucoup en tout cas de contribuer à la préservation de cette espèce. Je les trouve absolument sublimes. Merci Laurence, merci les moutons et merci Églantine. Et les petits agneaux. Oui, les petits agneaux bien entendu. Et puis le printemps arrive, alors tu penses qu'il va y en avoir des agneaux. Nathalie Schrengerman, notre ambassadrice, tu as remarqué, lorsqu'on est arrivé ici, le premier soir à l'hôtel, tout de suite on est accueilli par le bois. Dès qu'on est à la montagne, c'est ce bois qui est partout dans l'ameublement. Moi, j'adore ça. C'est exactement ça. Et pour être encore plus précise, tu sais qu'il y a une mode qui est très tendance, c'est le do it yourself. Alors, pardon, semaine de la francophonie, le faire soi-même. Mais il y a de plus en plus de designers qui aiment bien avoir une démarche éco-responsable, respectueuse de l'environnement. Et bien justement, je souhaiterais vous présenter deux jeunes qui sont installés juste à côté d'Annecy, à Mété, et ils ont décidé d'unir leurs forces pour créer une entreprise de mobilier, d'objets décoratifs en bois, comme tu le disais, Vincent, mais avec que des matériaux de récupération. Génial. Regardez. Comme tous les jours ou presque, Nathan démarre sa journée en se rendant à la déchetterie. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Bon, beaucoup de palettes, un peu comme d'habitude. Du bois massif surtout. Ok, quelques planches. Mais à la différence de tous les autres usagers, lui n'a rien à y jeter. Bizarrement, par rapport aux autres utilisateurs et aux personnes qui se trouvent ici, on n'est pas là pour jeter des choses, on est là pour en récupérer. Et nous, donc, ici, on récupère du bois. Et pour mieux comprendre ce que Nathan fabrique avec ce bois dont plus personne ne veut, direction son atelier. Car c'est ici que sont pensés et réalisés tous les projets de son entreprise. Mobilier, décoration de boutique et stand conçu sur mesure pour des salons, ici, le bois retrouve une seconde vie. Car l'objectif de Nathan est simple, casser les standards de la société de consommation. Je prends souvent cet exemple-là, effectivement, du maraîcher qui va donc faire pousser les tomates. Et ces tomates-là se retrouvent finalement calibrées. Et si elles n'ont pas la bonne couleur, si elles n'ont pas la bonne forme, eh bien, elles sont déclassées. Eh bien, nous, en fait, on a décidé de valoriser ce qui était pour la plupart déclassé.
Et si Nathan occupe le poste de designer, c'est Christian qui est en charge de réaliser les projets. Menuisier autodidacte, il fonde sa société en 2008 avec pour simple objectif de changer de vie. Je bossais carrément dans la finance. En fait, j'ai fait des études en DESS en finance, donc complètement rien à voir. Après, on se fait embarquer, on bosse dans les assurances, des choses comme ça. Et puis, moi, j'ai vite fait le tour et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas là où j'allais avoir du plaisir au quotidien, quoi, pour dire simplement. Au départ, Christian souhaite plutôt faire les choses dans son coin. Mais sa rencontre avec Nathan va être déterminante et donner un tout nouveau visage à sa société. La conception de l'entreprise était quelque chose qui n'était pas forcément inné, je pense, pour chacun d'entre nous, finalement. Mais aujourd'hui, je pense que le couple fonctionne bien. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il est venu me chercher au fond du jardin. Moi, je n'avais pas dans l'idée de d'évoluer comme ça. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui aussi. Hein. C'est sans doute cette alchimie entre Nathan et Christian qui permet à l'entreprise de faire feu de tout bois. Munich ou encore Stockholm, c'est dans toute l'Europe que l'on s'arrache leurs services. Mais pour voir l'une de leurs réalisations, il suffit d'aller acheter une baguette à la boulangerie adossée à leur atelier. Ici, nos deux associés ont fait toute la décoration et le mobilier, pour le plus grand plaisir des clients. C'est très original et j'aime beaucoup. Je n'ai pas l'impression que c'est une boutique, une boulangerie. On a plus l'impression d'être chez soi. C'est pour ça que je viens. Partie de rien ou presque, l'entreprise de Christian et Nathan emploie aujourd'hui 10 salariés à temps plein et son chiffre d'affaires a augmenté de 45% l'an dernier. Une bien belle manière de montrer que lutter contre le gaspillage, ça rapporte. Et ce sont vraiment des amoureux du travail artisanal, hein, Nathan et Christian. Ils ne manquent pas d'idées originales. Alors pour la couleur, vous avez vu, il n'y a pas vraiment de peinture. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout. Oui. Ils jouent sur les essences du bois ou bien la patine naturelle du bois. Et il suffit de voir la matière première. Ils utilisent soit des skis en bois usagés ou encore du bois flotté. Ou tout simplement, vous l'avez vu dans le reportage, ils vont à la déchetterie récupérer tout ce qu'ils peuvent trouver, que du bois. Et l'avantage finalement d'être tributaire d'une matière aléatoire, eh bien, ça permet d'offrir quelque chose d'unique. Voilà, donc c'est à partir de là qu'ils vont créer, ils vont designer en fonction de ce qu'ils ont entre les mains. Regardez ces images, c'est magnifique ce qu'ils font. Et il y a aussi la philosophie qui est belle derrière ce travail. En rond avec le modèle que l'on a toujours connu depuis la révolution industrielle, qui repose sur l'exploitation intensive des ressources naturelles. C'est-à-dire, pour faire simple, on extrait, on transforme, on consomme et on jette. Là, on est vraiment dans l'économie circulaire. C'est le zéro déchet, le zéro gaspillage. Et vous avez notamment, vous construisez votre chalet avec du bois récupéré également. Tout le chalet, non, mais à l'intérieur, un certain nombre de choses. Et je ne suis pas le seul, c'est un véritable engouement envers le vieux bois, la récupération du vieux bois des vieilles fermes, où effectivement, on arrive à faire des choses magnifiques entre du moderne, entre du bois de construction et une vieille bourne, par exemple, à l'ancienne. Vous l'avez construit de rien, de ex nihilo, ce chalet? Non, vous avez récupéré une vieille ferme que vous avez refaite? J'aimerais bien en être capable, mais je n'en suis pas capable. J'ai fait faire la coque et je me suis occupé d'un certain nombre d'éléments que je qualifierais plus de décoratifs qu'autre chose, mais en privilégiant la récupération d'un certain nombre de vieux objets, de vieilles choses, en particulier le vieux bois. Absolument, tout à fait. Et il y en a de très belles ici, sur la route de Taninges. Et j'imagine, Patrick, que ce que vous aimez dans le bois, c'est chaleureux, c'est authentique, ça va bien avec la montagne. Hein, C'est-à-dire que pour relier avec ce que l'on disait tout à l'heure concernant Claudius, on est dans la même philosophie. Le bois, c'est lent. L'éloge de la lenteur. Même si ça parle, il a dit tout à l'heure, Claudius, qu'il n'était pas nécessaire de parler pour entendre. C'est exactement ça. Claudius, un ermite qui vit dans la montagne, qui fait l'éloge de la lenteur qu'on a vu tout à l'heure, effectivement. Le bois va parler indéfiniment. Une fois que vous l'avez construit, il va bouger, il va se rétracter. Il va vivre. Et vous allez entendre des craquements. Ça, c'est une vie éternelle pour le bois. Merci beaucoup Patrick. Et donc je voudrais féliciter Nathan et Christian et leur entreprise, un Woodstock Création. Alors je voudrais vous présenter un autre jeune homme très ingénieux qui lui aussi a développé un bureau très original. Donc c'est l'entreprise Will and Walt. Et je suis en compagnie d'Arnaud Leleu qui est à la tête de cette entreprise. Bonjour Arnaud. Bonjour Nathalie. Excusez-moi pour mon anglais qui n'est pas terrible. C'est normal, c'est la semaine de la francophonie Nathalie. Hein, donc oui c'est ça. Et moi je vais en avant le fabriquer en France. Alors ce bureau, il est modulable. Tout à fait. Je suis très ravi de pouvoir vous présenter le Flipboard.
Le flipboard va permettre d'alterner ses positions tout au long de la journée en variant donc la hauteur de son plan de travail et la position de son écran. On dirait que vous êtes un pianiste là. Donc pour la démonstration, je vais devoir poser le micro. Allez-y, moi je vais vous tendre le mien. Alors montrez-nous ce qui se passe là. Voilà, donc l'idée ça va être vraiment donc, d'alterner ses positions, de varier de la position assise simultanément en mettant à hauteur son écran. Mais ça marche avec des contrepoids ou des ressorts ? Non, c'est un système de vérin à gaz. Donc l'idée c'est de alors montez-le le plus haut possible. Vous savez, c'est important parce qu'il paraît que ça permet d'être plus créatif, plus productif, d'oxygéner le cerveau, de changer un peu de position et de pas rester constamment dans la même et courbé comme ça devant son ordinateur. Et d'ailleurs, on peut aussi avoir des problèmes de santé. Tout à fait. Oui, la question, la volonté en fait de Will & Wild, c'était d'interroger le travailleur sédentaire en fait, qui vous a dit de rester sagement assis. Alors, c'est pour ça que notre producteur nous oblige à faire l'émission debout. Oui, t'as raison. Voilà. C'est pour ça. C'est bien. Le oui, si vous pouviez repenser notre table d'ailleurs pour que ce soit modulable avec les gâteaux, par exemple, les produits. T'as raison, Eglantine. Non, il faut rappeler que ces bureaux, on en voit aux États-Unis, dans les pays nordiques, mais c'est pas très développé encore en France. Comment vous l'expliquez ça? Ben, on a toujours la réticence au changement en France, mais c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience il y a déjà plus d'une dizaine d'années dans les pays nordiques sur le bien-être des travailleurs qui augmente la productivité en fait, du travailleur. Et ça a été repris très dernièrement, il y a moins de 5 ans, aux États-Unis, cette tendance. Et ça a été, en fait, il y a une série de tests qui ont été montés dans les écoles. Tout d'abord pour lutter contre l'obésité. Ah oui, bien sûr. Voilà, et en fait, ils se sont rendus compte que ça augmentait considérablement la concentration et la productivité des enfants. Et ce que vous aimez, c'est travailler le bois, on l'a vu, hein. Et il y a juste le piétement et traverse qui sont en acier. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous ? J'ai posé la question à Patrick, je la pose également. Qu'est-ce qui vous plaît dans le bois ? Ben dans le bois, le bois, c'est une matière noble, chaleureuse. Et donc, on a voulu avant tout s'inscrire dans une démarche raisonnée. C'est un matériau durable, renouvelable. Voilà pourquoi le choix du bois. Merci beaucoup Arnaud. Je l'ai dit, c'est une vraie tendance de fond. Merci Nathalie, merci Arnaud. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer aussi Lilou de la Palette que vous avez présenté dans le sud de la France, qui eux aussi travaillent le bois et aussi le bois récupéré. Voilà, encore un grand bravo à tous. Hein. Et Nathalie, merci, Nathalie. Tu as vu qu'il y a une petite dédicace quand même pour Eglantine, parce que ça, regardez, il y a quand même une petite phrase qui est écrite qui vous a dit de rester sagement assis. Alors ça, c'est rigolo, Arnaud. Voilà. Patrick Brosé, notre écrivain de la montagne, il travaille comment ? Debout, comme Balzac, assis, avec des petits carnets en balade dans la montagne ? J'aimerais bien travailler comme Balzac, debout, parce qu'il a été capable d'écrire un roman en 3 jours. ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est parce qu'il était debout, justement. Hein. Il voulait que ça se termine rapidement. Pas seulement, c'est parce qu'il avait les huissiers à sa porte, également. Bon, je ne vous le souhaite pas, effectivement. Mes chers amis, on est bien à midi en France, ici. Regardez en plein soleil, devant ce cirque somptueux. Et on va sauter la montagne qui est en face de nous pour passer dans une autre commune, pas très loin, j'en sais. Dans le Chablais. Maintenant, absolument. On va partir, on en parlait tout à l'heure avec Sophie, dans une montagne campagne où il y a de larges vallées, où il y a là-bas aussi des chalets absolument superbes. Léger, c'est une petite station comme ça qui est assise sur un col discret, un village de montagne qui aurait été fondé au XIVe siècle par des Juifs. En savoyard, on dit des Gés. Qui avait été chassé de Toscane, et donc le village tire son nom de cela. Aujourd'hui, la station elle est très attachée à ses activités agropastorales, mais en hiver, eh bien, dans le village, on met les skis, on sort de chez soi et on va faire de la piste. Il y en a 650 km hein, quand même. Alors ça va, il y a le choix. Donc il y a de quoi faire, et on est en fait aux portes du soleil. Vu des pistes, les Gets sont au carrefour du plus grand domaine skiable d'Europe où se croisent 8,5 millions de skieurs chaque saison. Un chiffre impressionnant pour un petit village avec ses chalets savoyards nichés à une altitude de 1200 mètres et tout autant d'habitants le reste de l'année. Nicolas est né et a grandi aux Gets sans jamais ressentir l'envie de quitter ce cocon. La différence avec d'autres stations de ski, c'est que c'est un village à la base et qu'il y a une âme, on va dire que avant d'être une station, c'est un village. Et des trentenaires attachés à leur station, il y en a beaucoup comme Nicolas. Benjamin, lui aussi, travaille et vit au Gets, dans cette maison traditionnelle de la région, transmise de génération en génération. Il y a une vraie fierté de conserver cet élément un petit peu du patrimoine de la station. Ça va très bien avec le cadre de la station. Mes parents ont essayé de conserver ce cadre de ferme à l'extérieur et qui est authentique et qui va bien avec le caractère de la station déjà.
De son côté, grâce au ski, Nicolas est devenu un ambassadeur de la station. Et dès qu'il a un peu de temps libre, direction les pistes pour quelques heures de plaisir. Et là, il y a un peu de neige, donc on va en profiter, ça devrait être sympa. Toutes ces pistes de la station, Nicolas les connaît par cœur. Et à force de s'entraîner au jet, le jeune homme a multiplié les récompenses au plus haut niveau. C'est là où j'ai appris, sur le Mont Chéri, juste derrière nous. Ensuite, je suis venu un peu sur les Chavannes pour enseigner. Maintenant, je suis moniteur. Je passe toutes mes journées sur ce domaine que je connais depuis 30 ans. On est au grand air, on peut faire du sport entre copains tous les jours sans faire de route. Donc c'est vraiment un plaisir qu'on apprécie. Enfant du pays, Nicolas ne pourrait quitter sa station pour rien au monde. Et on le comprend. Bah, c'est... Déjà, quand on vient ici, qu'on trouve un rayon de soleil, on a du mal à partir. Alors quand on est ici, c'est carrément impossible. Voilà, le rayon de soleil, il ancre bien dans son petit terroir. Hein. On n'a pas envie de trop bouger. C'est un peu comme nous ici sur le plateau. Et en plus, on a le soleil et puis on a le gâteau au chocolat qui est carrément assure grave. Ça ne t'ennuie pas que je dise ça. C'est du savoyard. Hein. T'es jeune ? Ah non, mais je suis tout jeune, moi. Regardez ça, si c'est beau. Qu'est-ce que tu as mis dessus, ces petits copeaux, là ? Alors, il y a des copeaux de meringue, d'accord ? Et des myrtilles aussi. C'est beau, hein, les enfants. Hein. C'est magnifique. En fait, c'est gourmand. On a beau être gourmand, c'est gourmand, il a tout dit. On est très très gourmand, ça donne envie, mais on n'a pas envie de le casser. Mais oui, on a peur d'abîmer cette œuvre d'art. Je vous propose un truc. On va regarder le clip pour voir comment il a fait sa recette. Et puis pendant ce temps-là, comme ça, personne ne nous regarde, on va taper dedans hein, pendant le clip. Voilà, c'est parti, les images, on les voit. On a fait cette marmelade. Là, c'est la ganache. Hein. Là, c'est le streusel d'abord au départ. D'abord le streusel. Voilà. Ouais. Mais les images, c'est un peu tout mélangé. On fait une compotée de myrtille avec de la fécule pomme de terre pour que ça tienne, pas trop de sucre. Voilà. On fait une ganache au chocolat avec une crème fouettée et du chocolat fondu. Voilà, temps pour temps. Autant de crème que de chocolat. Pas trop chaud le chocolat, on le rappelle. Voilà, exactement. Hein, sinon, oui. Et puis en plus, ça fait retomber la crème. Et puis, on fait ce fameux streusel qui est un sablé, une façon de sabler. Exactement, qui est croustillant et qui est agréable avec l'ensemble. Les amis, inutile de vous emballer là sur votre carnet de notes. Vous savez que vous pouvez tout retrouver sur France3.fr, rubrique Midi en France, la recette. Bien entendu, Thierry Froissart. Nathalie, une question culinaire de Nathalie Schrengerma. Très bien, si on ne sait pas faire le struggle, c'est ça ? Streusel. Le streusel, pardon. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'acheter dans le commerce des sablés ? Et préparer la ganache, et par-dessus, on fait des petites portions individuelles. Absolument, on pourrait le faire, mais la recette est très simple. Voilà, il n'a pas envie de t'acheter dans le commerce. Il veut que tu fasses sa recette, Thierry Froissart, les amis. Ah non, mais c'est extraordinaire. Viens avec moi, Thierry, tiens, je t'emmène. Tu devrais la punir, elle ne devrait pas en manger. On en aura plus. Pendant ce temps-là, je vais couper le gâteau. On va aller jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe là dans le coin. Oh là 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 là, tu nous as apporté. Alors ça, c'est quoi ? C'est le biscuit de Savoie. Biscuit de Savoie, mais toi, tu y mets des amandes. Voilà, c'est pour colorer un petit peu le dessus et puis pour avoir ce petit côté croustillant. Hein. Voilà. On est entre le biscuit de Savoie et le pain de Gênes, là. Pas tout à fait, le pain de Gênes, c'est un peu plus ferme. Là, c'est beaucoup plus léger, le biscuit de Savoie. D'accord. Ça, c'est de la guimauve. Ah, la guimauve. Mais guimauve aux fruits, uniquement aux fruits. Ah, voilà. Tout naturel. Tout, voilà, exactement. Il n'y a pas d'arôme, c'est à base de fruits. D'accord. Il y a Eglantine, tu veux un chocolat ? Non, pourquoi faire ? Hein ? Non, c'est bon. Ah bah ça y est, elles ont déjà tapé dedans. Bah, j'embarque la boîte quand même. On laisse les gâteaux ici, bien on va retrouver nos amis. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de couper le gâteau. Tiens, regarde, régale-toi ma belle. Oh, merci. Faites-moi confiance, je coupe le gâteau. Et je me débrouille plutôt pas mal. Quand tu dis faites-moi confiance, ça va. Puis quand tu dis je coupe le gâteau, ça va plus. Nathalie, on le sait bien qu'on peut pas te faire confiance ce genre de truc parce que tu fais une part à peu près de moitié pour elle et puis le reste pour les autres. C'est vrai que c'est gourmand. Bah ça y est. Alors le streusel, ça se coupe pas très facilement. Hein. C'est un sablé, donc ça a tendance à faire des... Ça s'effrite un peu. Ça s'effrite un tout petit peu. Mais c'est tellement agréable la dégustation. Ah là là, mais c'est merveilleux. Hein, je vous rappelle que Thierry Froissart, il est pâtissier ici. Meilleur ouvrier de France, pâtissier ici, à Samoin. Hein, les Cépimontins le connaissent bien. Les amis, merci à Patrick Grezet d'être venu, notre écrivain de la montagne, avec Mon fils va venir me chercher une très belle histoire de montagne dont il a le secret, bien entendu. Demain, on se retrouve ici. Thierry ne sera pas là, mais il aura laissé quelques gâteaux, bien entendu, si vous nous regardez. On se retrouve ici même, sur le plateau d'essai, au-dessus de Samoin, en Haute-Savoie, pour continuer à visiter cette belle région de la Haute-Savoie, sous le soleil de la montagne. Et les enfants, calmez-vous. Et oh, c'est pas fini, hein, ça dure. Voilà, à demain.